Je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, les gens, ils savent plus du tout s'habiller. Ils s'habillent super mal. Et bien, aujourd'hui, je vais leur montrer c'est quoi le style. Hey, coucou mon petit palmier, moi c'est Nadège Canada, lui c'est Dessert, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour faire un nouveau jeu sur Roblox, Dressed Whimperess, et apparemment c'est à la mode, tout le monde y joue, il y a eu au moins 3 milliards de visites sur le jeu, moi j'ai jamais fait, donc ça va être l'occasion aujourd'hui d'y aller et de montrer à tout le monde comment, eh bien, on doit s'habiller, quel est le style, quelle est la beauté, parce que moi je suis la reine des palmiers, mais la reine du style. Je sais qu'il faut s'habiller en fonction d'un thème, ensuite on se note les uns les autres, et celui qui a le meilleur note, eh bien, il gagne. J'espère que les gens ils vont voter pour eux, moi, sinon coup de palmier. C'est un joli like, c'est parti. Waouh, Dressed Whimperess. C'est super joli, regardez-moi. Ok, là c'est l'entracte. On peut sauter. Non mais c'est bizarre ce saut. Regardez mes jambes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces boutons? Là, c'est peut-être pour les chaussures. Non, c'est la vitesse de marche. Là, c'est quoi? C'est pour changer l'emplacement de quoi? Ok, je sais pas. Ça, c'est quoi? Oh, regardez, c'est pour faire des poses et tout. Et les gants. Super, c'est pour faire des jolies poses. Ça, ok, c'est pour acheter. Et ça, c'est des codes. J'en ai pas. Donc, on y va. Ah, mais c'est ma pose. Attends, prends une pose normale, en fait. C'est bon. Youpi. Non, mais arrête. Voilà. Alors, l'entracte était remué. Clé à... Quoi? C'est quoi, le thème? J'ai pas qu'on peut rire. Ils ont dit clé à je sais pas quoi. Ok, bon, clé à N-Girl Boy. Je sais pas du tout. En tout cas, je peux ramasser des dollars par terre. Pourquoi? Parce qu'il faut acheter les tenues. Non. Clé, alors qui? Bah, je sais pas. Je comprends pas le thème, en fait. C'est abusé. Qui? Attendez, je vais regarder un peu les autres. Voir un peu ce qu'ils font. Pourquoi ils vont vite comme ça? Oh, je peux pas aller dans le style et tout. Il y a des zones où je peux pas aller. C'est abusé. Bon, alors déjà, je vais faire une tête. Coiffure, je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Clé, je sais pas ce que c'est, la clé. Je vais faire ceci. Bicolore. Ok. Des emotes, non. Donc ça, c'est... Non, mais si, je veux ça, en fait. Ouais, c'est bon. Stop, comment on sort d'ici? J'ai fini. You, voilà. Donc, j'ai ça. Ensuite, là, je vais me maquiller. Je vais faire un truc plutôt girly comme ceci. Comment on sélectionne la couleur de la peau? Ah non, ça, c'est des styles, en fait, personnalisés. Ça, c'est des styles tout faits. Ok. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Bonjour, madame. Les ongles, je vais les mettre roses comme ceci, fuchsia. Ok, merci. Voilà, très joli. Je récupère des dollars par terre. Voilà. Par contre, j'ai une tête bizarre. C'est où qu'on choisit le teint de la peau? Clé à girl and boy. Franchement, c'est quoi, clé? Je vais prendre ça. Faut acheter. J'ai combien? J'ai 31 dollars. Et il faut 1000. Mais j'ai pas assez. Mais ils sont trop fous. Mais comment on fait? Mais ça coûte trop cher. Waouh. Joli. Bon, bah, moi, j'ai pas d'argent. Donc, sorry. Je vais m'acheter là où on peut acheter de l'argent. Ah, ça, c'est gratuit. Ok. Super. Bon, bah, voilà. J'ai ma tenue. Je vais mettre un truc dans les cheveux. Ceci. Par contre, comment on choisit le teint de la peau? Non, mais je comprends pas. C'est là? Ah, c'est là, là, c'est là où on voit tout ce qu'on porte. Ok. Bon, alors, attendez. Ça doit être dans le salon, quand même, où on change le teint de la peau et tout. Je vais m'asseoir ici. Ah non, mais ça, c'est pour personnaliser. Ah bah non, mais aussi, je peux pas personnaliser, j'ai pas l'argent, moi. Miroir. Là, dans la coupe de cheveux, peut-être. Non. Ici, non. Franchement, c'est abusé. Du coup, je sais même pas comment on fait pour avoir un nouveau teint. Oh, mais vas-y. Ils expliquent pas. Ah, skin tone. C'est ici. C'est bon. Ouf. Ok. Voilà. Bien. Bah, écoutez, il me manque les chaussures. Hein, parce que là, ça va pas du tout. Les chaussures, ça doit être dans un autre endroit.
Donc on va aller voir là. Il me faut quelque chose de blanc. De blanc ou de rose clair. Y a rien. Ah si, là, petite basket. Ouais, c'est joli. Sympathique. Ok. Donc moi je suis peurette. Ah non, je vais prendre un accessoire. Alors attendez. Est-ce que le nœud, c'est pour... Ah ouais, c'est joli, regardez. Je suis trop cute. J'adore. Franchement, j'adore. Mm-hmm. Est-ce que je mets le masque? Non, je vais pas mettre le masque pour dormir. Est-ce que je peux prendre le Teddy dans les bras? Quoi? 1 500 $ le Teddy? Ils sont trop fous, moi j'ai que 40 $, hein. Laissez-moi tranquille. Il reste une minute, qu'est-ce que je pourrais peaufiner? J'ai pas d'accessoires de dos, j'ai pas... vous croyez que je peux prendre des lunettes? On va voir. Non, j'enlève les lunettes, Voilà, super. Oh, attendez, ces chaussures-là, c'est mieux. Oh là là, je porte 2 chaussures, ça va pas du tout. Je vais enlever ça. Voilà. Ok. Comme ça, j'ai tout en bicolore, vous avez compris. C'est un peu Harley Quinn et tout, l'inspiration, j'adore. Voilà. Ça, c'est combien? 3000 étoiles, mais aussi, mais non, mais aussi. Ça, c'est non. C'est quoi, ça? Ok, un petit collier, ou alors, je sais pas. Qu'est-ce que je viens de mettre? C'est quoi? Un collier, oui, c'est ça, c'est un collier. Bon. Eh ben, il faut aller défiler maintenant, dans 25 secondes. On va voter les unes pour les autres. Ça va être sympa, même si j'ai pas compris le thème. J'ai fait un truc plutôt joli, hein. Oh, attendez, il y a un sac ici. Je peux le mettre? Non, j'aime pas. J'enlève le sac. Oh non! J'ai un sac que je voulais pas. Abusé. Le défilé de mode. Glamourista. Très sympa. Très sympa. Je vais voter 3 étoiles pour toi. C'est sympa, mais c'est pas assez coloré. Hein. Ça manque un peu de folie et tout et tout. Donc, 3 étoiles. Vote terminé, mère aussi. Ensuite. C'est qui? C'est Waiso Serious. Oh bah on dirait que tu vas faire ton sport. Franchement, c'est pas un style que j'aime beaucoup. Je mets 2 étoiles. Voilà, désolé, sorry. Moi, je vais faire quelque chose d'élégant, de magique. Alors, est-ce que ça va être à mon tour maintenant? Non. Elle est toute en rose. Elle est plutôt sympathique. Mais il manque des accessoires. Donc, 3, parce que moi, ça manque un peu de déco et tout. Voilà. Mm-hmm. Je suis assez égueuzigueuse en termes de style et de look. Mais c'est mieux que celle d'avant. Oh, la pose, elle était trop bizarre. C'est quand que ça va être mon tour? Waouh, toi, t'es jolie. J'adore. Trop stylé, on dirait Jennifer Lopez. Je mets 4. Franchement, j'aime beaucoup ce style. C'est sympathique et tout. Bien vu. Mais bon, peut-être que t'as accès à des zones VIP et tout parce que t'as de l'argent. Hein, donc bon. Bon, alors, c'est quand que c'est mon tour là? Pourquoi je passe en dernière? Powerpuff Girl. Ok, le style est très sympa aussi. Allez, 4 étoiles aussi, c'est très stylé. Tout va bien ensemble et tout. En plus, elle a fait une jolie pose à la fin, donc ça confirme mon vote. 4 étoiles pour toi. Moi, je suis gentil. Allez, vote terminé. Quand est-ce que ça va être mon tour? J'ai trop hâte de me voir. C'est moi! Waouh, hey, je suis trop stylé. Vous pouvez pas dire. Allez. On fait une pause magique. Hihi. Regardez. J'ai fait une pause magique. Super. Voilà. Allez, salut les losers. Franchement, j'ai tout donné. Je suis trop stylé. Marilou, hey. Oh. C'est jaune. Et le bleu et tout, c'est... Ça picote, hein. Je vais laisser 1 étoile. Merci, mais c'est trop simple, le blanc, là. Puis le jaune, c'est trop flashy. Sorry. Allez, bye bye. Même si t'avais un petit palmeier. Unicorn Nind. Bah, Unicorn, il manque ton visage. Hein. Désolé, mais t'as pas fait le make-up et tout, donc 1 étoile. C'est trop creepy, on dirait un fantôme et tout. Non, non. En plus, tu fais des saltos, on n'est pas aux Jeux Olympiques ici. Calme-toi, tu fais pas des squats, là. Non, mais Kamehameha et tout. Non, mais va-t'en, c'est bon. Tu t'es trompé de compétition, hein. Déjà, fais le maquillage, après on verra. Les gagnants, c'est qui? Sérieux? Je suis même pas dans le top 3. Et elle y est.
C'est abusé, je suis sûr qu'elles se connaissent et tout. Je suis la dernière. Je vais changer de serveur parce que là, c'est pas possible. Elles doivent se connaître et donc c'est de la teuriche. Oui, on est de retour. Famous YouTuber. Alors, le thème, c'est YouTuber célèbre. Waouh. Alors, comme je joue avec des Américains et tout, je pense que... Je vais jouer en élevé. Alors, regardez, la qualité, elle est trop belle. Je pense qu'ils connaissent pas Nadège Kandodel et tout parce qu'ils sont Américains et moi, je suis Françoise. Donc, quels sont les youtubeurs célèbres? Franchement, je sais pas du tout. Ça, je peux le mettre? Oh non, mais c'est payant, mais c'est abusé. Et moi, je peux rien mettre. Waouh. Oh, ça, c'est Markiplier. Ok, c'est sympathique. Oh, je vais essayer de faire PewDiePie. Attendez, je peux changer? Je vais essayer de faire PewDiePie. Oui. Regardez. Oh, waouh, j'ai changé. Je suis un garçon. Ok, alors, je vais mettre un t-shirt comme ceci. Comme ceci. Je vais le mettre rouge. Comme ceci. Je crois. Je vais mettre un deux jeans. C'est où les deux jeans? J'ai 2 minutes là, il faut que je me dépêche. Je vais mettre un deux jeans comme ceci. Ne peut pas être mis. Ah, pourquoi? C'est où les garçons? Bon, attendez. Je vais d'abord mettre mon teint, bien pâle comme ceci. Ensuite, dans les cheveux, ça va être du belon comme ceci. Voilà, très beuillant. Ok. Ensuite, le maquillage. Pas de maquillage, hein, juste masculin. Voilà. Je vais lui faire la tête... comme ceci, ou plutôt comme ceci, ou comme ce... Oh là là, c'est moche, hein. Ouh là 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 là. Bon, je vais faire comme ceci. Par contre, il me manque les deux jeans. C'est où les deux jeans? Je peux mettre ça pour lui? Ne peut pas être mis, ne peut pas être mis. C'est où? Ah, c'est là. Ok. Un jean comme ceci. Voilà. Ok. Ensuite... Qu'est-ce que je peux lui mettre? Des baskets. Baskets que je vais mettre bleu. Non. Belanche. Belanche, belanche, belanche. Ok. Et ça. Non. Belanche. Et ça. Waouh. Regardez, je peux mettre du beurat. Ok, c'est sympathique. Quoi d'autre? Franchement, là, je vois pas quoi d'autre. Il reste 30 secondes. Non, j'aime pas le vert. Attendez, c'est abusé. Je peux pas changer ça. Ouais, 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 ouais. Du belan. Et je peux pas changer... Ah! Ok. Alors, je vais mettre du bleu. Ok. Du bleu foncé. Ok. Et ça? Du jaune? Ok. Super. Bon, je sais pas qui c'est le youtubeur, mais ça ressemble à un youtubeur. Donc, j'espère qu'ils vont voter pour moi et que je vais enfin être sur le podium. Temps écoulé, le défilé de mode a commencé. On y va. Je sais pas qui c'est cette youtubeuse. Je reconnais pas. Puis j'aime pas le style et tout. T'as pas changé ta couleur de peau, t'es guerri de base, donc non. Un point, une étoile. De toute façon, tout à l'heure, ils ont pas voté pour moi. Ils m'ont donné 0 point, donc c'est abusé. Donc là, je vais tous leur donner un 0 point. Bon, peut-être pas lui. C'est vrai qu'il ressemble à un youtubeur. Il a son iPhone et tout, donc 2. Mais franchement, moi je donne des bonnes notes et tout aux gens et eux ils me donnent 0 étoile. C'est abuse ne fumeux et je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Votre air miné. Allez, c'est quand que ça va être mon tour? Habillez-la. Oh, habillez-la, ok, ok. Mais j'aime pas la mousse-tache, donc 2. Et pas 3. Arrête de faire ta danse. J'aurais pu mettre un casque aussi, j'avoue. J'ai pas eu le temps de mettre des accessoires, ça va vite. Famous YouTuber. Voilà, c'est quoi cette pose? Trop chelou, lui. Alors, ensuite, la tenue de Gigi est magnifique. C'est qui cette youtubeuse? Bon, ok, c'est vrai que c'est joli, donc je mets 3. Non, je vais mettre 2 parce que les autres, ils vont bien noter. J'ai pas envie qu'elle soit trop bien classée. Allez, moi j'espère qu'avec mon t-shirt rouge qui rappelle YouTube, bah, ça va aller dans leur tête. En fait, j'ai un peu fait max, regardez. Le t-shirt rouge, il est belon et tout. Waouh, je vais faire une pause. Allez hop, saut en club. Allez, je suis un youtubeur célèbre. Youpi.
Salut. Ok. Bon, j'espère qu'ils ont bien voté pour eux, moi. Ensuite, c'est... C'est horrible. C'est n'importe que Bewa. Je peux pas mettre 0. Ok, je vais mettre 0. Ok, elle est venue trop tard et donc elle peut pas jouer. Oui. Ok. Je comprends. Mais t'as quand même 0. Sorry. Faut pas abuser non plus, lui. Les gagnants sont... Ceinture. Ah, oh non, j'ai cru que c'était moi. Mais vas-y, personne me donne des peuins, là. C'est abusé. Je suis où? Ah, je suis 4e. Franchement, ça va. Ça va, je suis pratiquement dans le top. Ah, je suis contente. Allez, on a fait mieux que la première fois. Je vais tout enlever. Tac, 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 tac. Je vais redevenir une fille. Oh non, c'est un pas-recours, en fait, j'avais pas vu. Allez, hop, on va faire le petit pas-recours. Comme ça, je vais gagner des sous. Ok. 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 Oh non, je suis tombée. Il reste 30 secondes. Je savais pas qu'il y avait des pas-recours dans ce jeu, c'est rigolo. Ok. Voilà. Ok. Ici. Ici. Là. Là. Ici. 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 Et ici, j'ai gagné. J'ai gagné le pas-recours. Oh mince, j'ai pas enlevé mon maquillage. On peut pas? On peut pas. Bon, c'est pas grave. Pourquoi je ramasse pas l'argent là? Donne-moi l'argent. Cauchemar. Waouh, le thème c'est cauchemar. Et on a 325 secondes. Vite, vite, vite. Let's go. Maintenant. Alors, cauchemar. Déjà, je vais redevenir une fille parce que je suis une fille et que faut arrêter un peu. Ok, oui. Merci. Oh, qu'est-ce que je vais mettre pour faire cauchemar? Peut-être une veste noire. Qu'est-ce que je peux mettre pour faire cauchemar? On va aller voir là-bas. Alors déjà, ça, les bottes noires. Ok. Ensuite, alors, hop, je vais me mettre en rouge. Comment on fait? La roue de la couleur. Ouais, rouge, c'est bien. Je suis un démon, en fait. Je vais faire un démon. C'est ça que je vais faire. Voilà. Je peux mettre ça. Voilà. Je vais mettre ça. En rouge. Ok. Je vais mettre ensuite... Y a quoi qui fait peur, ici? Je vois pas des trucs qui font peur et tout. Là, je vois rien. Là, je vois rien. Peut-être ça. Ok. J'aimerais bien avoir des ailes ou alors... Tiens, je vais mettre un bijou rouge. Très joli. Voilà. Je vais aller faire mon maquillage et les cheveux. Alors, est-ce qu'en cheveux, il y a quelque chose qui fait... Oh ouais, ça fait peur un peu. On dirait une araignée. Ouais, c'est pas mal ce truc. Bon, j'aurais bien aimé avoir... Oh, waouh, il y a des glaces et tout, j'adore. J'aurais bien aimé avoir des cornes et tout, mais bon. Alors, au niveau du maquillage, il faut quelque chose qui fasse très peur. Un truc bien foncé et tout. Oh, il y a des trucs horribles ici. Mais ça fait pas assez peur. Ça? Non, c'est trop rouge. Ça? Ça fait peur. Ça fait peur. Regardez, cauchemar. C'est vraiment sympathique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais mettre ici? C'est trop joyeux. Ici. Non. Non, je vois rien de cauchemar. Il me manque vraiment les... Je peux mettre la ceinture? Ouais, j'ai mis la ceinture. Vraiment, il n'y a pas d'aile de démon. Il n'y a pas de cornes et tout. Ça, c'est dommage. Dommage. C'est pas grave. Ce qui est dommage, c'est qu'on se voit les uns les autres. Du coup, on n'a pas la surprise. Oh, elle a mis la même tête que moi, elle. Abusée. Elle m'a trop copié. C'est pas grave. C'est moi l'original. Bon, il n'y a pas d'autres accessoires. Hein. Franchement, là, j'ai beau regarder. Bon, il y a ça, mais ça, c'est nul. Ça fait même pas cauchemar. J'enlève. C'est abusé. Ça, c'est même pas des ailes de démon. C'est nul.
Ok, bah je crois que j'ai mis tout ce que je pouvais mettre qui fait un petit peu cauchemar et tout. Un sac? Non, faut payer. Ça va pas ou quoi? Ça, faut payer aussi? Bah non, mais aussi. Hein. Je paye pas du tout, moi. Non, mais ils sont pris pour qui, eux? VIP, je peux pas y aller, faut payer. Bah voilà, moi je crois que j'étais reminué. J'attends mon tour, on va défiler. Ça va être sympathique. Regardez, j'ai pris ça finalement pour mes mains. Peut-être que ça fera peur, je sais pas. Je vais les mettre en noir, qu'on peut les. Ok, c'est parti, le chrono est écoulé. Le défilé de mode va commencer. Oui, ok, ça fait un peu peur, mais tu t'es pas foulé, hein. Je te mets deux pour l'idée. Mais franchement, t'aurais pu faire mieux, hein. Ok, deux pour toi. Pas plus. Merci. Ensuite, nous allons voter pour Gigi. C'est ça, cauchemar, pour toi? Franchement, ça fait pas peur. Une étoile. Et encore, parce que je peux pas mettre zéro, mais c'est nul. Ça fait pas peur du tout, hein. Cauchemar, on est censé avoir peur et tout, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un rêve, hein. C'est un cauchemar, hein. On le sait, hein. Bref. Personne suivante. Nadège Cornedel, c'est moi. Regardez. Ok. Je vais rien faire de bizarre. Parce que sinon... voilà. Je suis un cauchemar. Je suis toute droite devant eux. Je ne bouge pas. Voilà. J'espère qu'ils ont mis plein de bons points. Funny Squishy Pie. Bah, ça fait pas peur. Ou alors, c'est quelqu'un qui a un cauchemar lors d'une soirée pyjama. Ouais, mais moi, je m'attendais à autre chose. Pour l'idée, l'originalité, je mets deux, mais franchement, je préférais voir des choses qui font peur plutôt que de voir quelqu'un qui a peur. C'est le but du cauchemar, quoi. Bon, ok, bye. Ensuite, on va voter pour Baby Botti. Ah bah là, c'est sympathique. Là, elle me fait un peu concurrence. Ok, je vais mettre 3. Baby Botti, tu as tes chances. Même si, bon, moi, je préfère le rouge du démon et tout. Arrête de bouger, elle fait trop de pause. J'enlève un point, sorry. Elle a trop bougé. Fais pas peur du coup, on dirait qu'elle est là, qu'elle a des gratouilles et tout. Allez, non, c'est pas vraiment dans le thème, hein. Je mets deux, mais parce que je suis gentille. C'est pas vraiment dans le thème, je trouve. C'est plus une soirée un peu bizarre et tout, mais pas une soirée de nightmare. Sorry, 2 points pour toi. Moi, je me serais mis 5 points. Johanna Yotova. Mais c'est pas du tout dans le thème. Alors là, c'est nul. Hein. Franchement, t'es pas du tout dans le thème. Hein. 1 point pour toi. Boui, boui, c'est pas terrible. Allez, next. On passe à la suivante. Hein. Franchement, vote terminé. Bah, je compte bien, oui. Est-ce que c'est fini? Ah non, il y en a beaucoup. Ah bah là, c'est sympathique. Mais par contre, t'as une pomme. Alors peut-être que ça rappelle la Blanche-Neige ou Wicked. Ok. Je mets 3, c'est sympathique. Tu as respecté le thème en tout cas et tu as bien travaillé ton look. Bravo. Je mets 3 étoiles. Est-ce qu'il y a encore des candidats? Bien sûr, il y a Sandera. Ouh, Sandera. Ok, t'es dans le thème. Tout en noir et tout. J'aime beaucoup Sandera. Aurore et tout. En plus, elle a mis un petit mot. Non, j'avoue, franchement, elle a ses chances elle aussi. Elle me fait peur d'ailleurs, c'est une concurrente. Mais bon, j'espère que les autres vont voter comme moi, honnêtement. Bon, Joey. Joey, oui, on dirait un peu la nonne, mais tu n'as pas fait ton visage, donc 2 points seulement et pas 3 parce que... À mon avis, t'as pas eu le temps de terminer. Tu n'as mal géré ton temps. Bye. Bon, encore des candidats? Ah, les gagnants! Attention! Je suis même pas dans le pot de Yum. C'est abusé. Elle a gagné, elle a rien fait. C'est nul. Je suis où, moi? Ouais, je suis loin. 8e. C'est abusé. Franchement, je suis déçu. Les gens, ils votent pas pour moi et tout. J'ai jamais gagné. J'ai même pas été dans le top Trubewa alors que j'ai un super look et un super style. Bon, bah, donnez-moi vos conseils dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne et de regarder une autre vidéo. Merci. Bisous, bisous, mes petits palmiers. Bye bye.